Je m'appelle Benjamin, je suis chef de projet environnement technique depuis 2017 et au sein d'Orange depuis 2014. Mon métier consiste à réaliser des études sur trois domaines qui sont la détection incendie, la climatisation et l'énergie. Donc je réalise les études, je consulte les entreprises jusqu'à la négociation commerciale avec le choix des entreprises et je suis le chantier jusqu'à la réception de celui-ci en faisant des réunions avec des comptes rendus, en contrôlant aussi les sous-traitants au niveau de la sécurité et j'élabore également le budget pour le remplacement des équipements vétustes sur ces trois domaines. Ce qui me motive dans mon travail, c'est de travailler en totale autonomie, de pouvoir passer d'un métier à un autre, donc de la climatisation à l'énergie, sachant que sur l'énergie, il y a plusieurs domaines, comme le remplacement de batteries, le remplacement de groupes électrogènes, donc on ne s'ennuie jamais et on n'est jamais lassé de son travail. Je suis titulaire d'un BTS, ensuite j'ai fait une licence en conducteur d'affaires. J'ai travaillé 9 ans pour un sous-traitant d'Orange, donc pour la partie climatisation. Et ensuite j'ai intégré Orange il y a 9 ans sur un premier poste de chargé d'ingénierie réseau structurant. Et ensuite je suis passé chef de projet environnement technique depuis 2017. La rigueur, car notre métier consiste à réaliser des travaux sur des sites stratégiques sans interruption de service. L'écoute, car nous devons être à l'écoute de nos clients et notamment de leurs besoins. Et enfin le leadership, car nous devons prendre des décisions, notamment lorsqu'il y a des crises ou sur de gros projets. Orange vend des bâtiments pour optimiser ses volumes techniques. Donc on doit rassembler tous nos équipements dans un certain volume cible. Et celui-ci, on devait construire pour donc le futur bâtiment un local technique pour le groupe froid. Et au-dessus se trouvait une chambre à coucher. Donc on devait réaliser les travaux sans que la chambre soit impactée par le bruit ou les vibrations du groupe froid. Juste avant l'été, donc après une longue période de Covid où on n'a pas forcément pu voir nos collègues, un séminaire a été organisé sur 2 jours et cela nous a permis de se rencontrer, d'échanger dans les différents services ou même de rencontrer de nouveaux collègues qui ont été embauchés pendant ce confinement. Tout cela dans un endroit chaleureux avec une soirée organisée. L'ours, car malgré sa force, il est déterminé et inspire la confiance. Notre métier est essentiel aux enjeux de demain, notamment pour le délestage électrique. Venez rejoindre la grande famille de l'environnement technique, nous saurons vous accompagner pour monter en compétences. De plus, Orange fait confiance aux jeunes.